Même là, de toute façon, ça a pété. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors voilà, on est en pleine abomination. Donc ça, c'est le truc. Jack, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, c'est pour ça que tu râlais, parce que t'avais plus tes émojis. Ah là là, excuse-moi de te le dire, mais t'es un blaireau. Bon, merci pour l'abonnement, mais... Donc du coup, ce soir, on va pas du tout parler Linux. En fait, j'avais tout modifié sur OBS pour le générique, pour l'arrière-plan. J'avais tout fait, j'avais fermé OBS et tout. Et alors ça, c'est vraiment un truc qui me gonfle. Pas OBS d'ailleurs, Streamlabs. Sur Streamlabs, et un problème que j'avais pas avec OBS, c'est que quand je changeais, ça changeait, quoi. J'avais pas besoin de revérifier après. Et là, bah voilà, l'intro est pas du tout ce qu'elle devrait être. Donc, bah, on va quand même changer ça histoire d'être dans le vrai du sujet. Donc, du coup, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout là-dessus. De toute façon, c'est pas une bonne journée. Moi, je vous le dis, pour moi, c'est pas une bonne journée. Voilà, là déjà, on est quand même vachement mieux. Donc ce soir, on parle pas de Linux, on parle pas de Vue.js. On va rester dans le web, mais par contre, on va rester assez bas niveau. On va surtout parler du fonctionnement de JavaScript, notamment dans ce qui est de la gestion des objets. Comment sont gérés les objets en JavaScript? Parce que, bah, oui, on peut faire de l'objet en JavaScript, simplement, c'est une mécanique qui est différent de ce qu'on a l'habitude de retrouver. Et voilà, Jack est heureux, il a ses émotes, voilà, la vie est belle. Bon, bah, écoute, au moins on a un heureux avec ça. Bon, en tout cas, moi j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis le dernier live, que voilà, vous avez pu profiter du beau temps, de cet été indien que nous avons, et qui a priori va se prolonger encore pendant quelques jours, puisqu'ils annoncent de belles températures pour la semaine prochaine. Bah nous, on va attaquer dans le vif du sujet. Alors attends, je fais quand même gaffe. Ouais, c'est bon, j'ai le micro qui tourne, ça va. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Et donc, bon, on va passer sur le desk. Et le desktop, tac, il est ici. Voilà, impeccable. Alors, normalement, la dernière fois, j'avais dû mettre Spotify. N'est-ce pas? Mais Spotify, pour le moment, il n'est pas en route. Alors, on va se mettre ça. Voilà, en musique de fond. Comme ça. Petite ambiance tranquillou pour travailler. J'espère que vous n'allez pas vous endormir pour autant. Bon, l'idée, encore une fois, hein, c'est que quand j'arrête de parler, que vous n'ayez pas un blanc. Et puis, si jamais mon ventilo se met en route, eh bien, que vous ayez autre chose en fond sonore que le ventilo à fond les ballons. Par contre, la question, c'est est-ce que vous entendez Spotify? Je ne le pense pas parce que je ne le vois pas là dans la liste de mixage. Pourtant, Spotify est là. Pourquoi je ne le vois pas, moi? Vous l'entendez Spotify ou pas là, enfin, la petite musique d'arrière-plan. Parce que Jack me dit... Ah ouais, non, c'est bien ça. Non, on ne l'entend pas. Alors pourquoi je ne l'ai pas? Alors, je vous dis, c'est la journée. boîte d'alerte et tout, machin. Ok, mais pourquoi j'ai pas le son de Spotify? Décidément. Alors si je fais ça et que je fais ça, non, toujours pas. Eh bien... Ah, ou alors non, c'est un autre truc, c'était le desktop audio. Voilà, et là normalement vous devez avoir le son qui est apparu. Voilà, on va se remettre dans le bain tranquillement. Moi je vous le dis, c'est une semaine. Je crois que j'ai rarement vécu des semaines comme ça. C'est juste complètement la folie à tous les niveaux. Et au final, bah, à la fin, tu finis par enchaîner les conneries. Donc bon, j'espère que ça va se détendre un petit peu la semaine prochaine, ça va faire du bien. Donc la musique, là c'est bon pour vous. Je vous laisse. Me dire si vous l'entendez et si on attaque la suite. Jack, je compte sur toi. Salut à Léo. Oui, en tout léger au fond. Alors, c'est vrai que la dernière fois, je l'avais baissé un peu parce que les gens trouvaient que c'était un peu trop fort. Je peux peut-être la monter légèrement. Voilà, l'idée, c'est que ce soit pas. Que ce soit pas non plus le son dominant. Bon, bah, en tout cas, salut tuto facile, bienvenue, enfin, bonjour à toi. J'espère que Aléo et toi vous allez bien. Voilà, ça fait bah oui, bah du coup Aléo, si je ne m'abuse, dis donc, retour de vacances. Hein? Si je dis pas de bêtises, ça va, c'était bien, ça t'a fait du bien, tu t'es ressourcé. Ah! On a des forfaits 80 gigas de SFR, c'est pas sponsorisé. Hein. Je vais peut-être leur demander. Bon, bah c'est cool. Alors, ouais, justement, aujourd'hui, on va réviser un petit peu les bases du JavaScript, notamment, pardon, au niveau des objets.
Comme je vous l'ai dit, on a utilisé pas mal de choses. On a utilisé du vue.js, on a fait du node.js, on a utilisé des classes, on a utilisé des modules, on a utilisé des bibliothèques, on a utilisé pas mal de choses. Et ce que je voulais, c'était bah, justement revenir un petit peu aux fondamentaux, histoire de bien comprendre finalement que dans JavaScript, effectivement, on peut gérer des objets, que les dernières versions, entre guillemets, de JavaScript nous fournissent des syntaxes proche des autres langages comme le C++, le Java, etc., pour manipuler les objets. Mais ce que je voulais qu'on voit ensemble, c'est que ben, finalement, derrière, on est quand même sur une mécanique qui est différente. Alors, pour commencer tout ça, je pense que finalement, on va commencer par la version la plus récente pour bien voir comment ça se passe au niveau des objets. Et donc, simplement, je vais créer un nouveau fichier ici. Non, pas un truc comme ça, donc un fichier JavaScript. Je suis au bout. Alors, ce qu'on va faire, je vais créer quelque chose qui s'appelle Shape et on va rester en JavaScript. On va pas faire de TypeScript aujourd'hui, on va vraiment rester en JS. Et donc, la dernière syntaxe qu'on a en JavaScript, enfin, pour faire des classes, bah, c'est justement le fait d'utiliser le mot-clé classe. Donc, je vais pouvoir créer une classe Shape et puis dans cette classe, je vais pouvoir créer des attributs. Alors, pour créer des attributs, là, on a déjà une petite différence en termes de syntaxe, c'est qu'on ne va pas simplement, comme on le ferait par exemple en TypeScript ou dans d'autres langages comme le Java, faire un private attribut 1 par exemple et égale 5 si on veut que ce soit un entier. Ça ne fonctionnera pas en JavaScript. En JavaScript, on va être obligé de préciser, de faire quelque chose du genre this. Justement attribut 1 et là éventuellement on peut lui affecter la valeur 5 et là dans ce cas-là normalement ça doit je dis une bêtise, faut quand même que je me mette dans un constructeur. Donc ça voilà, j'oubliais un petit morceau. Donc on crée un constructeur et c'est au sein de ce constructeur qu'on va déclarer les attributs de la classe. Les fonctions par contre on va continuer à les déclarer en dehors. Par exemple, si je veux faire une fonction draw, eh bien, on va la faire comme ceci. Et puis là, comme c'est une forme et qu'une forme, en fait, on va essayer de se créer une classe abstraite où on va redéfinir la fonction de dessin, eh bien, on va simplement nous lever une exception pour indiquer que la classe shape, est une classe abstraite. Hein, la fonction draw nécessite doit être redéfinie. Et donc, on va faire un throw shape. Enfin, deux points, deux points, draw needs to be overrided. Voilà, on va se faire un truc comme ça. Point, petit point, virgule. Voilà, donc là, on s'est créé un objet. On va aller le vérifier tout de suite, c'est-à-dire que je vais intégrer cet objet, ce fichier shape.js dans mon body. Alors, pas ici, justement, mais plutôt à ce niveau-là. Et puis, on va aller voir ce que ça donne dans le navigateur. Donc, je vais ouvrir l'explorateur de fichiers. On va lancer le index.html. On va aller dans la console. On va être très en mode console, hein. Aujourd'hui, ça va être assez soft au niveau de l'affichage. Ou peut-être pas soft, justement, peut-être un peu trop ardu. Et donc, dans la console, là, voilà, je vais faire un let. Je vais l'appeler form est égal à new shape. Normalement, je dois avoir ma classe, voilà, comme ceci. Et donc, si j'affiche le contenu de forme, eh bien, effectivement, je trouve un objet de type shape qui dispose d'un attribut qui s'appelle attribut 1 qui a bien la valeur 5. Et si je regarde dans quelque chose qui s'appelle proto, qu'on expliquera un petit peu plus tard, on voit qu'on a effectivement une fonction draw. Et si j'appelle la fonction draw de forme, eh bien, voilà, j'ai une exception qui est levée et qui me dit shape de point de point draw needs to be overrided. Donc, il faut qu'on override cette fonction-là parce qu'on est sur une fonction abstraite. Donc, on ne peut pas l'utiliser en tant que tel. Donc là, on a créé une classe comme on l'aurait fait de manière, je dirais, générale, quasiment dans les autres langages. La seule petite différence qu'on a, bah, c'est que les attributs ne sont pas créés en dehors du constructeur directement au niveau de la classe, mais à l'intérieur du constructeur. Bon, donc là, on a déjà une petite variante. Mais on va voir que tout ça s'explique par la suite. Quand on verra le mécanisme qu'il y a dans la gestion de classe de JavaScript. Ensuite, si je veux faire de l'héritage, là aussi, on va voir que l'héritage aujourd'hui, c'est extrêmement simple en JavaScript depuis ECMAScript 6. Donc là, je vais me rajouter un nouveau fichier JavaScript et donc je vais me créer une forme rectangulaire. Je vais créer un rectangle. Et puis, donc on va faire tout simplement classe rectangle. On va utiliser le mot-clé extends pour dire justement qu'on hérite ou qu'on étend la classe de base shape pour en faire un rectangle.
Et ce qu'on va faire, c'est que bah, simplement, alors ça me permet de penser que j'ai oublié de faire une petite chose. Dans ma classe shape, je vais créer un attribut ici. Oh, bah, d'ailleurs, on va modifier l'attribut existant. C'est l'attribut qui va permettre de savoir quel est le type de la forme qu'on est en train de manipuler. Donc, on va lui passer en paramètre. Ici, je vais créer un paramètre type. Et en fait, ce paramètre type, eh bien, on va indiquer quand on va hériter ensuite la classe shape, dire c'est un rectangle, c'est un cercle, c'est un point, c'est autre chose, une ligne, que sais-je. Et donc, cette information, on la passera ici. Et c'est ce qu'on va faire là, c'est-à-dire que quand j'ai mon constructeur de rectangle, eh bien, la première chose que l'on doit faire quand on hérite d'une classe ici, la classe shape, c'est justement d'appeler la fonction super. Donc, cette fonction super, en fait, c'est quoi? C'est j'appelle le constructeur de mon parent, ou en tout cas de ma classe mère, de manière à ce que la classe mère s'initialise, et seulement après, moi, je vais pouvoir créer mes attributs dans rectangle. Donc ici, comme j'appelle le constructeur via la fonction super de shape, il va falloir que je lui passe une valeur, un argument, qui est le paramètre attendu ici par le constructeur, donc le type. Et donc ici, ce que je vais passer, bah, c'est tout simplement rectangle pour indiquer le type d'objet que je suis en train de décrire en fait et qui hérite de shape. Ensuite, je vais pouvoir ajouter à mon rectangle des attributs, par exemple une largeur, et puis on va pouvoir également lui mettre une hauteur. Alors là, ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais donner deux paramètres en entrée du constructeur qui vont nous permettre d'initialiser par défaut ces attributs. Donc je vais mettre un width et puis un paramètre height. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va tester si width est différent de undefined, alors bah, on va mettre width, et sinon bah, on va mettre une valeur par défaut en largeur et en hauteur de notre rectangle. Donc pour faire ça, là, on va utiliser la notation actuelle hein, des dernières normes. Alors c'est en TypeScript, est-ce que c'est en JavaScript? Je sais pas, je vais essayer, on va bien voir si ça fonctionne. Donc là, on va dire si width est différent de nul, alors on va affecter width, et si width est égal à undefined plutôt, on va affecter 100. Et donc on va faire la même chose sur height, où on va regarder si le paramètre height est différent de undefined, on affectera height, et sinon on va affecter par exemple 50, voilà, on va mettre des valeurs par défaut comme ceci. Je ne sais pas si ça passe en JavaScript. Je sais qu'en TypeScript, ça passe bien. On va voir si ça, c'est vraiment une évolution de TypeScript ou si c'est intégré dans les nouvelles versions de JavaScript. On va regarder ça. Et pour ce faire, on va directement initialiser ici un rectangle qu'on va appeler R, donc qui va être new rectangle. Voilà. Je vais juste faire ça. On va. On s'en fout. Hop. On va intégrer notre fichier rectangle ici en JavaScript. Alors la seule chose à laquelle il faut faire attention en JavaScript quand vous faites de l'héritage, pensez bien quand vous allez ajouter vos fichiers JavaScript à votre fichier HTML, de les mettre dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'il faut d'abord mettre les classes parents et ensuite les classes enfants, parce que sinon en fait quand le navigateur va interpréter votre script, il va voir que vous déclarez une classe rectangle qui hérite de shape. Mais à aucun moment il a vu passer une classe shape, donc vous allez avoir une erreur. Si par contre vous mettez shape en premier, bah, il sait que la classe existe et donc il n'aura aucune difficulté à faire la relation d'héritage. Donc, hop, ici je reviens là, j'actualise. A priori, je n'ai pas d'erreur. Et si je tape R, je retrouve bien mon rectangle. Et si on regarde, donc on voit que notre rectangle, il a bien été initialisé avec une hauteur à 50, un width à 100, et il est bien de type rectangle. On retrouve la propriété qui fait partie de shape. Salut Zeta7, bienvenue à toi! Alors, on peut d'ailleurs créer de nouveaux rectangles, hein, c'est-à-dire que je peux faire un let R2 est égal à new rectangle, et cette fois-ci, je vais spécifier des paramètres. Donc, en l'occurrence, je vais créer un rectangle qui fait 500 par 200. Si j'affiche donc R2, eh bien, on voit bien que ses propriétés sont bien de 500 et de 200. Donc, c'est cool, on voit que l'opérateur point d'interrogation, point d'interrogation, il est aussi intégré dans la nouvelle norme de JavaScript. Donc, ça se passe bien à ce niveau-là. Alors ça, ce que je vous ai montré, c'est vraiment le fonctionnement, on va dire, qu'on attend en tant que développeurs qui avons l'habitude de faire de l'objet dans d'autres langages. C'est vraiment la syntaxe qu'on s'attend à utiliser et qu'on a l'habitude d'utiliser. Extends ou implement, si jamais on. Alors pas en JavaScript, mais ça ce serait du TypeScript. Mais en tout cas, voilà, faire de l'héritage avec le mot-clé extends, j'ai envie de dire, ça parle à tout le monde. Le fait de créer une classe avec le mot-clé classe, ça parle à tout le monde en général. Et du coup, on se retrouve globalement dans quelque chose qui est assez familier et assez facile à prendre en main quand c'est la première fois qu'on fait du JavaScript, alors qu'on a déjà tra alors qu'on travaillait précédemment en Java, comme je disais, en C++ ou dans d'autres langages.
Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment ça se passe dans la réalité. Enfin, déjà, comment ça se passait avant. Et en fait, vous montrer que finalement, ce qu'on fait là, ici, avec une classe et un extends, ou ici, simplement avec une classe, eh bien, c'est simplement ce qu'on pourrait appeler du sucre syntaxique, c'est-à-dire une facilité d'écriture, quelque chose qui va être moins verbeux, plus facile à mettre en place pour le développeur, mais au final, qui ne fait que masquer le concept précédent qui existe depuis le début, mais simplement c'était un concept qui était moins évident à comprendre, et donc ils ont rajouté une surcouche dans le langage pour masquer ça, mais au final c'est exactement la même chose qui se produit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer deux nouvelles classes, je vais créer une classe Shape2 et puis Rectangle2, mais avec l'ancienne méthode, si on peut dire, puisque finalement on va dire l'ancienne syntaxe. Donc je vais créer un nouveau fichier ici. Alors, si je le fais au bon endroit, ce sera mieux. Donc, ajouter, et donc je vais JavaScript, et là je vais l'appeler par exemple shapeHold, .js pour différencier les deux. Donc, pas classe justement. Alors, comment est-ce qu'on faisait avant? En fait, le principe de JavaScript pour la gestion des objets, c'est de pas gérer des classes, c'est pas ce qu'on va appeler un système classique, mais c'est un système par prototype. Je bois un coup. Vous l'avez remarqué. Qu'est-ce que c'est qu'un système par prototype? Salut slash formation, c'est ça, ou slash formotion. En tout cas, bienvenue à toi. Donc, qu'est-ce que c'est le principe du prototype? Waouh, banni temporairement. T'arrives, paf! Une claque. Ah, trop de majuscules. Voilà, ah, attention, hein, Nightbot est au taquet. Hop, hop, il protège le chat contre les capsules, j'allais dire, contre les majuscules néfastes. Alors, donc le prototype, eh bien en fait, dans JavaScript, tout est objet, en fait, quelque part. Et tout est objet à tel point que les fonctions sont également des objets. Et quand vous voulez créer une classe en JavaScript, eh bien en fait, on va travailler vive Python. Ouais, c'est pas le sujet, slash. Quand on veut créer une classe, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle un constructeur. Oh merde, t'as, j'ai oublié le nom. Non, ouais, c'est ça, un constructeur autodéclarant. Voilà, on y est. Alors, comment ça va se présenter? Eh bien, tout simplement, par exemple, je vais utiliser. Est-ce qu'on peut faire du const en... Ouais, si, je crois, maintenant, en JavaScript, on peut. Oh, j'ai tellement l'habitude maintenant de faire du TypeScript. Quand je reviens en JavaScript, je me dis, attends, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que c'est pas un truc qui est réservé à TypeScript? Mais non, normalement, ça passe. Donc, je vais créer une classe qu'on va appeler donc ShapeHold, pour dire que c'est l'ancienne méthode, hein, tout simplement. Et donc, on va lui dire que c'est une fonction. Voilà, notre classe ShapeHold, c'est une fonction. Et cette fonction, en fait, ça correspond au constructeur. C'est-à-dire que tout à l'heure, rappelez-vous, on voulait transmettre un type de forme au constructeur de notre forme. Et bien là, le type de forme, on va le donner ici. Et dans ce constructeur, je vais pouvoir dire que j'ai un attribut, this.type. This.type est égal à type. Donc on l'initialise avec le paramètre qui nous est fourni. Et si j'ajoute donc ce fichier shapehold.js à mon index.html, donc, hop, je vais le mettre ici tout en dessous, on va enregistrer, on va revenir sur notre page web, et donc ici, bah, simplement, je vais faire un let shape est égal à new shapehold. Et puis je vais lui donner une forme, donc on va dire rectangle par exemple, voilà, comme ceci. Eh bien, si je vais dans Shape, on s'aperçoit qu'effectivement, pour le navigateur, salut petit bonnet, bienvenue à toi. Pour le navigateur, j'ai bien quelque chose qui est de la classe ShapeHold. Voilà, c'est bien un objet de type ShapeHold. On retrouve une propriété type qui s'appelle rectangle et on retrouve ce bon vieux proto. Donc on voit que, a priori, pour le moment, alors qu'on crée une fonction, bah, on a bien un objet. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre fameuse fonction draw à notre objet. Donc ici, je vais faire un this.draw. Alors là, vous voyez qu'en fait, je déclare la fonction draw de ma classe ShapeHold comme un attribut. C'est un attribut de type fonction. Apprendre les failles XSS juste après. Donc ici, bah, pour faire ma fonction draw, donc j'ai ma fonction ici, et puis bah, on va faire exactement comme tout à l'heure. On va faire un throw shapeHold, cette fois-ci 2.2.draw needs to be overrided, parce qu'on est donc sur une fonction abstraite. Donc si maintenant je reviens ici
et que je recrée mon objet shape comme tout à l'heure, donc hop, je reviens là, on voit qu'il n'y a pas de changement, j'ai toujours donc un objet donc de type rectangle, et puis on voit ici que j'ai une fonction de row que je peux appeler comme ceci. Et on a bien le même fonctionnement de tout à l'heure. Salut Nil 0610. Alors, il y a juste, on va voir, il y a une petite subtilité quand même à tout ça. C'est que là, on a créé une première forme avec donc son type qui était rectangle et puis sa fonction draw. On va regarder quelque chose. Je vais essayer de créer une deuxième forme. Donc, cette fois-ci, je vais l'appeler shape 2. Voilà. On va le laisser en type rectangle, c'est pas très important. Donc on s'aperçoit que là aussi, j'ai un objet de type ShapeHold, de type rectangle avec sa fonction draw. On va s'apercevoir que si je fais shape2.draw, eh bien, il n'y a pas de souci, j'ai bien le même comportement. C'est-à-dire que j'ai une exception qui se lève puisque c'est censé être une fonction abstraite. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer l'adresse de ces deux fonctions, c'est-à-dire que si je ne mets pas les parenthèses ici de draw, donc si je fais simplement shape.draw, eh bien en fait le navigateur interprète ça comme le point d'entrée de la fonction, la référence vers la fonction, ou on pourrait dire l'adresse de la fonction. Et en fait à partir de là, bah, le navigateur il est capable de comparer la fonction de shape et la fonction de shape2, c'est-à-dire que je peux faire shape.draw égal à shape2.draw. La question, c'est de savoir est-ce que les deux fonctions sont les mêmes. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est important? Donc, si je fais shape2.draw, on s'aperçoit que le résultat, c'est faux. C'est-à-dire que en mémoire, on a shape qui dispose d'une fonction draw et shape2 qui dispose d'une autre fonction draw. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je crée un objet shape, eh bien, les fonctions sont dupliquées en mémoire. Or, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas normalement dans une classe. Si je vous montre le principe d'écriture qu'on a utilisé tout à l'heure avec les shapes standards, donc si je fais un let new shape est égal à new justement shape tout court, alors je vais mettre une chaîne vide, on s'en fout, c'est pas important, et puis je fais la même chose avec new shape 2, là on va voir que new shape .draw, si je fais égal à newShape2.draw, et bien là on voit par contre qu'on a une égalité entre les deux fonctions, c'est-à-dire que la fonction qui est appelée par newShape et la fonction qui est appelée par newShape2, c'est la même. En mémoire, elle est située exactement au même endroit, et donc je peux créer autant d'objets de type shape, tous les objets vont partager la même fonction draw. Là, on voit qu'il y a une différence entre les deux notations, mais qui va s'expliquer, je vais vous l'expliquer juste après. Alors, pourquoi c'est important d'avoir la même fonction? Tout simplement parce que là, on a une petite fonction qui prend une ligne à écrire, mais qui n'est pas très grosse, c'est pas très grave, mais imaginez dans votre programme, vous créez des classes avec des fonctions qui peuvent être extrêmement complexes, extrêmement longues, qui s'appellent les unes les autres, donc vous pouvez avoir des objets qui sont vraiment très très conséquents. Imaginez maintenant qu'à chaque fois que vous créez un objet de cette classe-là, on duplique l'intégralité du code de toutes les fonctions. Vous imaginez la quantité de données que vous allez occuper en mémoire, finalement pour rien, alors que normalement tout aurait dû être factorisé et tout aurait dû se trouver au même endroit. Et donc, on voit qu'avec la deuxième méthode qu'on a utilisée, enfin la première méthode qu'on a utilisée, on n'a pas ce problème-là, c'est-à-dire qu'on a bien à un seul endroit les fonctions de la classe shape qui sont déclarées, et ensuite toutes les instances de la classe shape partagent bien le même code pour toutes les fonctions de cette classe-là. Alors ça en fait, ça vient justement de ce fameux prototype dont je vous ai parlé, de ce fameux fonctionnement par prototype, c'est-à-dire que là en fait, de la manière dont on a déclaré notre fonction et notre classe, on a déclaré la fonction comme un attribut de la classe. Et en fait, quand on déclare les choses de cette façon-là, eh bien en fait, JavaScript estime que tous les objets qui vont être instanciés à partir de cette classe-là doivent disposer d'attributs qui leur sont propres et qui ne sont pas partagés avec les autres, qui ne sont pas communs avec les autres. Typiquement, moi, si par exemple, j'ai une forme qui est de type rectangle, ça ne veut pas dire qu'une autre forme qui va être créée va être de type rectangle également. Elle pourrait être de type cercle. Donc, il ne faut pas que ces informations-là soient partagées en mémoire. Or, j'ai déclaré ma fonction, et on voit que ça marche, hein, de la même façon. Et donc, du coup, que type? Donc, du coup, pour JavaScript, il se doit de créer deux fonctions différentes
si j'ai deux instances de shape qui sont créées. Pour remédier à ça, on a une partie, un élément qui fait partie de chaque objet qu'on crée, qui s'appelle le prototype. Et le prototype, lui, par contre, il va être commun à toutes les instances que vous créez d'une classe. On va le voir tout de suite, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, je vais supprimer draw d'ici. Alors, je vais faire un contrôle X. On va garder le code quand même. Et en fait, en dehors de ma classe, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai déclaré que j'avais une classe qui s'appelait ShapeHold, je vais pouvoir faire un ShapeHold.prototype, hop, point .draw est égal, et là en fait je remets la fonction que j'avais déclarée tout à l'heure. Et cette fois-ci, la fonction elle n'est plus ajoutée comme un attribut qui doit être unique à chaque instance d'objet, mais elle est ajoutée comme un élément qui est accessible par tous les objets instanciés depuis la classe ShapeHold. Et ça, on va pouvoir le confirmer tout de suite, c'est-à-dire que si maintenant j'actualise ici, et que donc là je refais un letShape est égal à new ShapeHold, allez hop, rectangle, voilà, oui, avec un let ce serait mieux qu'un LT, comme ceci. Ensuite, on s'en crée un deuxième. Voilà, et cette fois-ci, si je compare l'adresse des deux fonctions draw, donc si je fais un shape.draw est égal à shape2.draw, là, cette fois-ci, on voit que la valeur de retour, c'est vrai. Salut Divo, bienvenue à toi! Et là, on se retrouve donc dans une situation qui est la même que ce qu'on avait avec la classe tout à l'heure, et on a donc ce fameux prototype qui permet de dire, ben voilà, on a un objet, enfin une classe qui s'appelle ShapeHold, et toutes les instances qui hériteront de ce ShapeHold, eh bien, travailleront avec les mêmes fonctions, toutes celles qui font partie du prototype. Salut Phalanx, bienvenue à toi. Enfin, bonjour à toi plutôt. Voilà, donc ça, c'est le premier point qui est important à noter avec JavaScript, c'est ce fameux prototype. Et si on regarde effectivement le contenu d'un objet donc de type ShapeHold, on s'aperçoit d'une petite différence par rapport à tout à l'heure. C'est que là, dans les attributs, vous voyez qu'il n'y a plus que type rectangle. On ne voit plus mentionner la fonction draw, alors qu'elle apparaissait précédemment. Maintenant, en fait, la fonction draw, elle a été placée dans le prototype, c'est-à-dire l'attribut ici qu'on voit s'appeler proto. Et là, en fait, si je déroule, eh bien là, je retrouve justement ma fonction draw. Je retrouve également le constructeur. Et en fait, je vais retrouver toutes les fonctions qui vont être associées à ma classe, que j'avais créée dans ma classe. Alors, on peut s'apercevoir également que dans notre prototype, on a un autre prototype. On a le prototype et ce prototype, il s'appelle Object. Et donc là-dedans, on va retrouver des éléments qui font partie de la classe Object. Puisqu'en fait, en JavaScript, tout hérite de Object. Et le système des prototypes, et notamment d'avoir des prototypes qui vont se chaîner les uns les autres, c'est-à-dire j'ai une classe ici, Shape, qui contient le prototype de Object, eh bien ça veut dire qu'en fait, Shape hérite, ou ShapeHold ici, hérite de Object. Et le principe de fonctionnement de JavaScript avec le prototype, c'est de faire quoi? C'est de dire, ben, tu veux appeler la fonction, je sais pas, ben, par exemple, la fonction asOwnProperty, qui n'est pas une fonction que nous, on a créée dans ShapeHold. Ce n'est pas une fonction qui existe. Donc lui, il va commencer, mais elle est dans Object. Donc JavaScript va commencer par regarder s'il trouve cette fonction asOwnProperty dans le prototype de ShapeHold. S'il ne le trouve pas, il va aller le chercher dans le prototype qu'il va retrouver. S'il trouve enfin, un élément proto dans un prototype dans le prototype, alors il va aller scanner ce prototype-là. Salut Matasio, ouais, ça va bien et toi? Et ainsi de suite. Et en fait, comme ça, il va parcourir toute l'arborescence des prototypes depuis l'objet, je dirais, le plus haut niveau à l'objet le plus bas niveau, c'est-à-dire arriver jusqu'à Object. Et s'il trouve la fonction sur un des prototypes, bah, c'est celle-là qu'il va exécuter. Et s'il ne la trouve pas, bah, il va aller chercher un niveau plus loin. Et s'il ne la trouve pas au final, ben il va vous dire, ben non, cette fonction, elle n'existe pas. Donc là, typiquement, je pourrais tout à fait appeler shape.asOwnProperty. On voit que typiquement, ça ne le gêne absolument pas. Et là, on voit, voilà, ça nous retourne false parce que je n'ai pas indiqué de propriété. Si je mets type, par exemple, et ben là, j'ai. Non, pas type of, mais type tout court. Putain. Arrête de me vouloir. J'ai horreur des fois l'autocomplétion, c'est vraiment un casse-bonbon. Donc on voit, non, type is not defined parce que apparemment ça ne doit pas être traité comme une propriété de base. Voilà, je ne sais pas pourquoi le own property type ça marche pas. Ah ou non, je suis bête, c'est qu'il faudrait peut-être que je mette des guillemets surtout. Voilà, et là effectivement il nous dit bien que notre classe elle a une propriété qui s'appelle type.
En JS, c'est bien le prototype qui est commun à toutes les instances. Ouais, c'est bien ça, Oldadou. Le prototype est commun à toutes les instances. C'est ce qu'on a vu un tout petit peu plus tôt. C'est que si on ne passe pas par le prototype, donc si par exemple ici, je fais un this. Comme j'avais fait, alors je vais faire draw 2, voilà, est égal à function, hop, et puis qui fait console.log draw 2, voilà, tout simplement. Tac, je vais actualiser ici, je remonte la différence entre les deux. Donc si là, je crée shape est égal à new shape old, hop, voilà, comme ceci, je le fais une deuxième fois avec shape 2. Donc, ce que je disais tout à l'heure, donc si je prends shape.draw tout court, donc qui elle est dans le prototype, on s'aperçoit que si je la compare avec shape2.draw, donc une autre instance de la classe shapeHold, eh bien, il nous dit bien que les deux instances de fonctions, entre guillemets, les deux adresses des fonctions sont les mêmes. Salut Kero, bienvenue à toi! Donc là, on est dans le prototype, on est sur quelque chose qui est commun à toutes les instances de la classe. Par contre, si je teste l'égalité entre draw2 de shape et de shape2, là, on voit que comme ça n'a pas été déclaré dans le prototype, ce ne sont pas des fonctions qui sont communes à toutes les instances, elles sont propres à chacune, et la modification du code à un endroit n'engendrera pas la modification du code à un autre endroit. Donc ça, c'est un premier élément. Par contre, attention, on peut effectivement modifier le prototype, c'est-à-dire que je pourrais dire que shape hold ici, point prototype, point, je vais mettre un draw 3, par exemple, je crée une troisième fonction, donc qui est égale à function console.log de draw 3, voilà, comme ceci. Donc je peux modifier le prototype de la classe shapeHold. Si je crée une nouvelle instance, donc shape 3 est égale à new shapeHold, allez, je vais l'appeler cercle, parce que ce coup-ci, ce sera un cercle. Voilà, donc si je fais shape 3.draw 3, j'aurai bien ma fonction draw3 qui va être appelée. En revanche, comme mes instances shape et shape2 avaient été créées avant que le prototype ne soit modifié, eh bien vraisemblablement shape1.draw3 ne devrait pas exister. Ah si, oh putain, ah bah oui, alors là je suis surpris. Je pensais pas, mais en fait, bah, voilà, on voit vraiment que c'est bien partagé, donc je pensais que ça allait faire une erreur. Mais non, on a modifié le prototype et en fait ça modifie également pour les autres instances. Mais en même temps, c'est pas déconnant puisque, comme on l'a dit avec Oldadoo, toutes les instances de la classe ShapeHold partagent le même prototype. Donc ouais, du coup, en fait, quand on modifie le prototype, bah, ça le modifie pour tout le monde. Oui, les instances où ont un pointeur sur le proto. Ouais, bah, c'est exactement ça. De toute façon, c'est un système de pointeur ou de référence. C'est un petit peu la même idée. Et voilà, et donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et d'ailleurs, on le voit, parce que des fois, vous allez voir sur Internet, quand vous dites, ah ouais, tiens, c'est dommage, il manque telle fonction sur les tableaux, ça pourrait être sympa si, par exemple, je ne sais pas moi, le tableau, il disposait d'une fonction qui permette, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je vais dire, de permuter un élément sur deux ou un truc comme ça, parce que vous avez besoin. Bah, généralement, ce que vous allez trouver, c'est des gens qui vous disent, bah, pas de problème, tu fais ton objet array. Point prototype, point, je sais pas moi, un mélange par exemple, vous faites une fonction mélange est égal à function, yaya. Et puis ben, de cette façon, si jamais vous créez, après si vous avez des tableaux, et ben, ils vont disposer de cette fonction-là. Donc là par exemple, je sais pas, moi je dis que la fonction mélange, elle fait un alerte par exemple mélanger. Voilà, hop, je ferme ça. Et bien maintenant, si je crée un tableau, donc let. Tab est égal à crochet crochet par exemple et que je fais tab point que j'ai appelé ça mélange et on voit qu'effectivement oups il dispose bien ouais, faut que je vais un peu trop vite il dispose bien de la fonction mélange alors que à l'origine c'était pas quelque chose qui existait nativement dans les fonctions du tableau et en fait c'est ce que font certaines des bibliothèques que vous allez trouver en JavaScript hein, ou par exemple jQuery etc. qui vont, au moment où ils vont être chargés en mémoire, rajouter des éléments à certains types d'objets, de manière à ce que, bah, justement, vous puissiez bénéficier de nouvelles fonctionnalités sur des objets natifs que vous manipulez en temps normal. Excusez-moi, j'ai le téléphone qui se met à sonner. Voilà, hop, très bien. Le this dans la fonction, ce sera le tableau. Alors, attends, bah, le this dans la fonction, dans la fonction, dans la fonction. Ah, si je mets, par exemple,
Alors, je vais revenir ici. Si par exemple je mets un this dans la fonction ici, ce sera bien effectivement l'instance. On peut le voir, hein, si je fais un console. Comment est-ce qu'on va faire? Ouais, on va faire un console.log justement de this ici. Et puis plutôt que de recréer les trucs à chaque fois, je vais les faire là. Je vais faire shape 1 est égal à new shape old de rectangle. Et puis l'autre, je vais le faire en cercle justement. Tac. Donc rectangle ici. Et là, ici, je vais faire cercle. Voilà. Et donc ce sera shape 2. Tac. Et on va pouvoir actualiser ceci. Donc là, normalement, j'ai un shape 1. Je vais faire donc point draw. Donc si j'appelle sa fonction draw, on voit qu'il m'affiche. Donc on a le console.log de this, hein, qui est appelé. Et donc ça nous met bien quelque chose avec rectangle dans le type. Et si je faisais la même chose avec shape 2. Shape 2, hop, on voit cette fois-ci, ça s'affiche bien le type cercle. Donc on voit que c'est bien l'instance, this représente bien l'instance de l'objet. Dans la fonction, ah oui, je me souviens, et tout contexte a son propre this, c'est bien ça. Ah, alors ça, c'est les joies effectivement de JavaScript avec son ancienne notation, sauf si on la passe en paramètre à une autre fonction ou si on la bind. Alors voilà, là justement, les notions de contexte en JavaScript, là, c'est à s'y prendre les cheveux des fois. Après, ça a une logique. Ça a une logique. Effectivement, on exécute le. Salut à Calavero. Excuse-moi, j'ai un peu bafouillé sur ton pseudo. La logique, c'est sûr qu'elle est surprenante. C'est-à-dire que des fois, this n'est pas this, ne représente pas this. En fait, le this, ça représente le contexte dans lequel est exécutée la fonction. Quand ici j'appelle, quand je fais un shape.draw, j'appelle la fonction draw dans le contexte de shape 2. Jusque-là, tout va bien. En revanche, si je travaille avec une callback, c'est-à-dire si ma fonction draw, elle n'est plus appelée directement par shape 2, mais elle est appelée par une fonction qui appelle la fonction draw. Alors imaginons que je fasse une callback, on pourrait avoir par exemple, bah justement, comment est-ce que je vais faire ça? On va se créer une deuxième fonction. On va avoir la fonction draw par exemple, et puis on va se créer une fonction shape old.prototype. Tiens, send. Voilà, on envoie le résultat sur le serveur, donc on a function, et puis on va avoir une callback justement qu'on va donner. Salut à Tom Génie, bienvenue à toi. On va appeler là ça, hein, une callback. Attends, je suis en train de réfléchir un petit peu. Comment est-ce que je vais le faire pour que ça pète? C'est le mec qui cherche à faire un code qui marche pas. En fait, on a tellement l'habitude d'essayer de faire des trucs qui fonctionnent que du coup, pouf, on est un petit peu paumé quand on veut se forcer à faire un truc qui marche pas. Et ben ici, donc j'ai ma function send. Là, je vais avoir ma success. Oh, attendez, je suis en train de dire une connerie. Non, j'ai pas besoin d'aller jusque-là. Vraiment, j'ai pas besoin d'aller jusque-là. Je vais faire un. On va faire ça par exemple. Window. Si je fais un window.unload, est égal à function. Ah, parce qu'il faut quand même que j'appelle this. Alors là, non, parce qu'il n'y a pas de raison là que ça déconne. Merde, comment est-ce que je vais. Où est-ce que je vais la foutre cette callback? Tiens, bah si, on va faire un truc comme ça. On va faire un add event listener. Ou voilà, ou un set timeout. T'as bien raison, Dracoctix. Avec un add event listener, ce sera encore mieux. On va faire un pop, 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 pop. On va faire un window. Je vais pouvoir. Point add event listener. De clic. Voilà. Et donc là, je vais avoir je vais donc avoir une callback, donc function. Donc une fonction qui va s'éclairer. Donc en gros, j'ajoute un événement clic sur la fenêtre. Donc dès qu'on va cliquer sur la fenêtre, il y a cette fonction-là qui va être appelée. Et donc là, moi, je vais faire un console.log de this. Donc c'est-à-dire que avant l'initialisation de l'événement, on va afficher this. Bon, je vais enlever le throw pour le moment, pour que vous voyez bien. Et ensuite, quand on cliquera sur la fenêtre, eh bien, on aura le this à nouveau qui va être appelé. Et donc ici, si j'actualise ma page, normalement, je ne devrais pas avoir d'erreur. Donc
Ah, par contre, j'ai pas eu de console. Ah oui, parce que j'ai pas appelé encore draw. Donc là, je viens, je fais shape1.draw. Pas de problème. On voit que j'ai bien this console.this qui a été appelé et j'ai bien mon objet rectangle, etc. Et par contre, si je viens cliquer ici sur la fenêtre, on s'aperçoit que quand je clique, c'est pas le this a changé. Maintenant, this c'est window. Alors pourquoi est-ce qu'on a ça? En fait, quelque part, c'est logique. Bah, si on réfléchit un petit peu, this, quand je suis this ici, j'ai été appelé, la fonction draw, elle a été appelée à partir de l'instance de shape. Donc en fait, j'ai fait un shape1.draw, et donc le contexte d'exécution, c'est shape1. Ensuite, ici, on a créé un event listener avec ce qu'on appelle une callback, c'est-à-dire une fonction anonyme qui, quand elle va s'exécuter, va faire un console.log de this, et on pourrait même s'attendre ici, du coup, à faire un this.draw pour dire, bah, à chaque fois qu'on clique, on rappelle cette fonction draw, et puis on l'exécute. On pourrait imaginer ça. Le problème, c'est que cette fonction anonyme, c'est pas une fonction qui s'exécute dans le contexte de shape1. Elle s'exécute, c'est une fonction canonyme, donc elle s'exécute dans... c'est une fonction globale qui va s'exécuter dans le contexte global, c'est-à-dire en fait window. Et ce qui fait qu'à chaque fois que vous avez une fonction anonyme qui est appelée, eh bien, elle ne s'exécute pas dans le contexte où vous l'avez créée, mais elle s'exécute bien dans le contexte de window parce que c'est une fonction globale. D'ailleurs, on pourrait le... Alors, je ne sais pas d'ailleurs si on peut la retrouver en regardant dans le prototype de window. Peut-être même pas dans le prototype de Windows. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'elles sont stockées, les fonctions anonymes. Je ne sais pas du tout comment il les stocke. Mais grosso modo, en fait, quand vous faites une fonction anonyme, elle va être quelque part là-dedans. Et c'est là que vous allez retrouver son code. Ce qui fait que après, si on veut passer outre ce problème-là, il y a deux solutions. Si vous êtes sur du ECMAScript 6, là, c'est extrêmement facile. Ils ont introduit une nouvelle notation qui fait qu'on passe plus par function, mais on passe par parenthèse flèche. Et là, en fait, vous dites, je crée également une fonction anonyme. Cependant, cette fonction-là, elle conservera le contexte dans lequel elle a été créée. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas du contexte dans lequel elle s'exécute, mais bien du contexte dans lequel elle a été créée. Et donc, si je fais ma fonction ici, lambda, à l'intérieur de la fonction draw shape hold, eh bien le this qui est ici va être conservé à l'intérieur. On va le voir, rien que le fait de faire cette modification là. Alors je vais enlever ça parce que sinon ça va me faire une boucle infinie puis ça va être une catastrophe. Donc ici, hop, je reviens là, je refais mon shape.draw, là tout va bien, et quand je clique, on voit que j'ai toujours mon instance de shape.draw qui a été conservée. Donc quand vous faites ça, vous maintenez le contexte, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que vous allez peut-être travailler sur des environnements hétérogènes avec des navigateurs plus anciens qui, eux, ne vont pas tolérer cette notation-là. Si vous êtes sur des vieux Internet Explorer ou si vous êtes sur des vieux systèmes, par exemple, vous êtes sur un système Android avec, et vous devez travailler avec le browser qui n'a pas encore été mis à jour avec les dernières normes, hein, si vous êtes sur un Android 4.4 ou même un Android 5, ça, c'est des notations qui connaîtra pas, eh bien, vous serez obligé de travailler avec le mot-clé function. Vous ne pourrez pas utiliser la notation avec la flèche. Du coup, vous allez perdre votre contexte. Pour ne pas perdre votre contexte, vous allez être obligé d'utiliser une ruse, c'est-à-dire que vous allez créer une variable locale. Vous allez faire là un let que vous allez par exemple appeler that et qui va être égal à this. Et cette variable locale, croyez-le ou non, mais en fait elle va rester en vue. Salut Feuillou, bienvenue à toi, et vous allez pouvoir l'utiliser ici à l'intérieur de votre callback. En fait, dans JavaScript, comme en Java, par exemple, il y a ce qu'on appelle un garbage collector, donc quelque chose qui s'occupe de savoir est-ce qu'un objet doit être supprimé ou pas de la mémoire. Ce qu'il voit, c'est que là, vous créez un objet a priori local, mais vous continuez à l'utiliser dans une callback. Donc il dit, ok, celle-là, je la garde de côté, et à chaque fois que la callback sera utilisée, eh bien, je sais que je devrais faire référence à cet objet que j'ai gardé sous le coude. Et effectivement, si on travaille comme ça, salut Cornichon420, bienvenue à toi. Il y a des fois, je me demande si vous choisissez pas, des pseudos et ensuite vous abonnez à la chaîne juste pour qu'on dise votre nom. Et dans ce cas-là, donc là, tu vois, si je fais donc mon shape.draw, donc là, j'ai bien ça. Et quand je vais cliquer, eh bien, on s'aperçoit que je conserve le contexte de mon objet. Donc ça, voilà, c'est une façon de faire. Bonjour, Les Pistaches. Alors, Dracoctix, tu nous dis la fonction créée
Alors, créer pas son propre. Non, la fonction crée pas son propre contexte, ou alors faut utiliser Babel. Je préfère utiliser function.prototype.bind plutôt que la solution de la variable tierce. Ouais, alors effectivement, tu peux aussi utiliser ça. Ce qui fait que du coup, alors je regarde juste, tu peux pas bind aussi. Alors surtout quand c'est presque l'heure de manger. alors, je t'avoue, tu vois, je l'ai jamais utilisé le prototype.bind, donc on va aller voir tout de suite. Prototype.bind. Est-ce que du coup je sais pas exactement comment elle fonctionne. Donc en gros tu fais donc get nanana. Alors console.log donc get donc function return this.x, ok. Et ensuite const est égal à module.getx. Et ensuite const boon.getx est égal à boon.getx.bind module. Waouh, ok. Je t'avoue, j'ai du mal à comprendre la syntaxe. Donc la fonction. Ok, donc là en fait, donc là tu prends getX et après tu fais bind et tu bind avec module. Alors du coup, tu le ferais comment en termes de code là justement? C'est-à-dire si j'ai mon add event listener, parce que ta fonction ici, comment est-ce que tu fais pour la binder ta fonction anonyme? Où le zi c'est celui passé en paramètre de la fonction. D'accord, donc là en fait tu ferais. Mais tu peux faire directement appeler un truc qui. Non, tu es obligé de faire ça. Ah, donc là en fait ici. D'accord, tu peux directement faire un point bind et lui passer en paramètre justement zis dans ce cas-là. Donc on pourrait faire un truc dans ce goût-là. Et donc là je peux juste faire zis ici. Salut Warzouille, bienvenue à toi! Hop, on va regarder ça de suite. Celui-là, on peut le supprimer. Donc du coup, là, je refais mon draw. Et là, quand je clique. Ah, ok, nickel. Ah bah ouais, bah en plus, ça c'est vachement plus propre, effectivement. Alors par contre, la question que je me pose, c'est que ce bind, ça a été introduit quand? Cette chose-là. ECMAScript 2015. Ok. Donc, normalement, 2015, ça passe à peu près partout. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau de la compatibilité? Sur Edge, c'est à partir de Edge 12, Chrome 7, le WebView, Android 4. Ouais, donc là, effectivement, il y a. Parce que voilà, c'est toujours pareil. J'ai tendance à faire attention avec des éléments qui sont ajoutés avec les normes successives de JavaScript pour pas justement tomber dans le piège de ah merde, ça va pas être rétro-compatible. Alors, effectivement, comme tu dis, IE9, donc du coup, on est large. Donc là, forcément, voilà quoi. Alors, attends, voir, qu'est-ce qui s'est passé? T'es pas en mode VIP. Bad guy zero, stop spamming symbol. Donc voilà, donc effectivement, là on est tranquille. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, je pense qu'il faut toujours faire attention avant de travailler en TypeScript. J'étais obligé de me poser la question parce que je travaille sur des applications qui fonctionnent sur des environnements extrêmement hétérogènes. J'ai même des gens qui utilisent encore de l'Internet Explorer 8, donc c'est vous dire. Et forcément, quand tu as une notation qui te garde le contexte, où tu n'es plus obligé de t'embêter avec un varsat égale zis ou des choses comme ça, et que tu peux juste faire cette notation qui te fait le boulot sans que tu aies à te poser de questions et qui te conserve ton contexte zis, tu dis, ah oh là, ça c'est juste génial. Sans function, pardon. Donc je vais utiliser ça partout. Maintenant, ça va me simplifier la vie. Donc tu fais ça, tac, tac. Et puis après, tu as le client qui t'appelle, qui dit, bah non, ça marche pas. Comment ça marche pas? Et bah oui, effectivement, il est sur un navigateur qui est un peu trop vieux, qui gère pas ça. Et là, bah, vous repassez sur votre code, et puis vous dites, bah, partout où vous avez mis ça, vous remettez votre function, et puis vous faites votre varsat égale 10, ou du coup le bind, en l'occurrence, effectivement, qui marche également très bien, on l'a vu. Donc ça, c'était la première chose, c'était comment sont gérées les fonctions pour les classes, pardon, avec cette notion de prototype. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure et qu'on a fait extrêmement simplement, c'est comment est-ce qu'on fait pour gérer l'héritage avec l'ancienne version, l'ancienne notation de JavaScript. Alors on va voir que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'on a compris le truc. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher très très loin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplifier un petit peu, remettre ma classe ShapeHold en ordre. Je vais lui remettre ici son throw. Donc on avait dit Shape
hold de point draw needs to be overrided. Voilà, tac, petit avertissement. On va pas créer les objets ici directement. Et donc, on va se faire cette fois-ci donc notre classe rectangle hold pour voir comment est-ce qu'on aurait créé une classe rectangle qui hérite justement de notre objet shape hold. Donc, pour faire ça, on va faire un nouveau... alors là, j'ai les yeux qui se croisent, si vous voulez, c'est une catastrophe. Donc, je vais refaire ajouter, 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 fichier JavaScript. Voilà. Et donc là, rectangle hold. Je vais peut-être... Ah non, j'avais mis underscore. Bon, voilà. Quand je dis que je suis fatigué. Et donc, le principe, déjà, pour créer la classe, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir un const rectangle, par exemple, qui va être égal à function. Et donc, on a un constructeur auto-déclarant. Jusque-là, pas de souci. Notre rectangle, on va faire comme tout à l'heure, on va lui donner une largeur, donc width, avec, en lui passant en paramètre, donc width, et puis height, voilà. Donc, est égal à width, ou alors 100, et puis this.height, qui va être égal à height, ou alors 50, par exemple. Ça, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Simplement, on va essayer, tant qu'à faire, là aussi, d'utiliser une notation qui soit rétrocompatible. Donc, moi, typiquement, quand je vois ça, j'aurais tendance à dire, à tester si width est différent de undefined. Alors, on utilise width. Sinon, on utilise 100. Et puis, on va faire la même chose avec height. Voilà. Hop, c'est-à-dire que si 8 est différent d'undefined, on utilise 8, sinon on utilise la valeur par défaut 50. Est-ce que tu as déjà utilisé Babel? Non, j'ai pas encore utilisé Babel. Ça fait partie des choses qu'il faut que je regarde. Mais ouais, non, pas encore. Il y a plein de trucs que j'ai pas encore utilisé. Plein. Je te dis, il y a fait quoi, 2 mois maintenant? 2 mois, j'ai découvert Vue.js. Donc c'est pour te dire, je suis un peu à la ramasse au niveau de tout ce qui est framework, bibliothèque, environnement, etc. Petit bonheur JS qui existe dans le coin. Donc là, pour le moment, j'ai créé ma classe rectangle. Et donc, justement, on va faire un let rect1 qui est égal à new rectangle. Et on va en faire un avec par défaut. Et let rect2 qui est égal à new rectangle également. Mais cette fois-ci, on va lui fournir des valeurs en paramètres. Donc, on va faire un 500 par 200. On va ajouter ce petit fichier ici dans le index.html, hop, pour avoir également notre rectangle. Et bien évidemment, comme on n'a rien précisé de particulier, notre rectangle n'est qu'un rectangle. Ah, en plus j'ai fait une bêtise, alors shape hold à la ligne 9. J'ai dû aller un petit peu vite quand j'ai supprimé des trucs. Oui, ça ce serait mieux un point virgule qu'un point. Effectivement. Boom. Et ensuite, identifier rectangle. Ah bah oui, has already been defined. Donc là ici c'est rectangle hold. Bien évidemment. Voilà. Et donc là, normalement, sous nos yeux ébahis, tout va mieux. Et donc, si je fais rect1, donc effectivement, j'ai un rectangle. Si j'ai rect2 avec les dimensions par défaut pour le premier, les dimensions que j'ai données pour le deuxième. Et donc, si on regarde un petit peu, donc on a width. Mais si j'essaye d'obtenir, par exemple, la fonction draw, eh bien, évidemment, on n'en a pas puisqu'on n'en a pas déclaré. Ça utilise surtout Webpack qui utilise Babel, il me semble. D'accord, ok. Non, mais c'est pareil, Webpack, j'en ai entendu parler, notamment avec Vue.js. J'ai vu qu'il y avait des trucs à voir, donc là, il faut que je creuse un petit peu, et puis voilà. Vue.js n'utilise pas Babel indirectement, ou il n'y a que React qui fait ça. Donc, ouais, voilà, effectivement, Webpack, je l'ai vu utiliser avec Vue.js. Webpack ne l'utilise pas forcément, mais React le requiert pour le JSX. Ok. Alors, du coup, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour récupérer, par exemple, le type qu'on a mis dans Shape? Comment est-ce qu'on fait pour dire que notre rectangle, c'est aussi un Shape Hold, par exemple? Eh bien, comme je vous l'ai dit, ce qui se passe, c'est pour savoir si un objet hérite d'un autre, on regarde en fait dans son prototype. Et si le prototype, là, vous voyez que par défaut, en fait, le prototype d'un objet, c'est Object. Si je remplace ce prototype et que je dis que finalement, c'est un Shape, eh bien, mon objet va hériter de shape qui lui hérite d'object. Et donc, on va avoir une lignée, entre guillemets, qui va pouvoir se faire comme ça, gentiment. Pour le faire, c'est relativement facile. Alors,
Alors, il y a plusieurs façons de le faire, je crois. Mais la façon la plus simple, je dirais, c'est de dire que this, pas this, pardon, rectangle old.prototype est égal à new shape old. Et donc là, on va préciser justement le type, on va dire que c'est un rectangle. Et en faisant ça, eh bien, j'indique que mon rectangle, il hérite de shape. Donc là, si cette fois-ci j'affiche rect 1, donc on voit que rect 1 c'est toujours un rectangle. Par contre, au niveau de son prototype, cette fois-ci, on voit que c'est un shape old. Et donc, du coup, on retrouve le type rectangle. Et dans le prototype de shape old, on retrouve la fonction de row et le prototype de object. Ce qui me permet, du coup, avec rect 1, d'appeler type et de voir qu'effectivement c'est un rectangle. Et puis, toujours pareil avec rect 1, je peux également appeler la fonction de row et qui là va me lever une exception puisque j'appelle la fonction de row de shape old qui n'a pas encore été redéfinie dans rectangle. Donc maintenant, si on veut faire les choses correctement pour plus avoir une classe abstraite, eh bien, il nous suffit dans notre prototype de rectangle de redéfinir la fonction draw. Donc je vais faire un rectangle old.draw est égal à function. Et là, je vais simplement faire un console.log dessin d'un rectangle. Hop. Allez, un point d'exclamation parce qu'on est fou. Voilà. Et du coup, ici, on actualise. Et j'ai fait une bêtise. Rectangle all is not defined. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis rectangle. Voilà. Et donc, cette fois-ci, si je fais mon rect1.draw, eh bien, j'ai une erreur. Alors, pourquoi j'ai une erreur? Rectangle old. Ah, parce que j'ai mis draw pour le point de prototype. Boulet. Voilà. Donc là, je repars dans rect1.draw. Hop, et là, j'ai bien dessin d'un rectangle. Si je regarde maintenant au niveau de rect1, comment est-ce qu'il est construit? Donc, à l'intérieur, je retrouve donc 800, width 100. Ensuite, dans son prototype, donc effectivement, il est basé sur un shape old auquel on a rajouté une fonction draw. Et si je regarde ensuite un petit peu plus bas, je retrouve également la fonction draw de shape old. Donc en fait, on a bien une hiérarchie. Et comme je vous disais, ce que va faire JavaScript quand vous allez essayer d'appeler une fonction de votre objet, c'est premièrement, il va regarder dans ses attributs. S'il ne trouve pas dans ses attributs, il va les regarder dans le prototype, premier niveau. Il va regarder est-ce qu'il trouve la fonction oui ou non. Donc s'il la trouve ici, il trouve draw, il ne va pas plus loin. Ensuite, s'il ne la trouve pas, il va les revoir. Il voit qu'il y a un autre prototype, un niveau en dessous, il va regarder dans ce prototype-là. Là, du coup, il trouverait ici cette fonction de row là, donc qui nous afficherait l'exception. Et puis, s'il ne trouvait pas encore la fonction qu'il cherche, eh bien, il ira dans le prototype suivant, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que. Salut, Vegidéo, bien bonsoir à toi. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut faire un petit peu attention quand même avec ce système de prototype. C'est que si vous essayez. Et salut, Youssef. Si vous essayez d'accéder à des fonctions qui se trouvent finalement très loin dans la chaîne d'héritage, eh bien l'accès à ces fonctions-là sera nécessairement plus long, moins performant que des fonctions qui sont situées tout en haut de l'arborescence des prototypes, puisque l'accès sera beaucoup plus rapide. Donc forcément, les fonctions qui sont au début, dès le premier prototype, seront techniquement lancées plus vite, alors que celles qui peuvent être très loin dans l'arborescence des prototypes, vont être lancées un petit peu plus lentement. Alors, sur une exécution standard, application de gestion, tout ça, je dirais que c'est transparent aujourd'hui. Par contre, il faut faire attention quand vous travaillez avec des applications qui demandent de la ressource, par exemple qui font du rafraîchissement, donc dès que vous faites un petit peu de jeu, ou vous faites un peu de 3D ou des choses comme ça, vous voulez du 30-60 FPS par seconde. Il y a des chances que du coup vous appeliez très régulièrement vos objets et des fonctions de vos objets. Et si vous avez fait des héritages multiples, j'arrive plus à parler, sur des longues chaînes, eh bien, là par contre ça pourrait se ressentir. Donc voilà, attention au niveau des optimisations. L'héritage, c'est cool, ça offre plein de choses, mais parfois ça peut avoir des incidences également sur les performances. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous montrer déjà au niveau des objets, au niveau des objets version old school, voir comment est-ce qu'on faisait de l'héritage. En fait, on trouve des tas de codes hein, sur Internet sur comment faire de l'héritage qui sont assez complexes. D'ailleurs, ce qui pourrait être aussi intéressant de voir, c'est comment fait TypeScript pour gérer de l'héritage. On va voir qu'il le gère d'une manière qui est assez hardcore.
Je ne sais pas pourquoi ils le gèrent comme ça. Il y a sûrement une raison, certainement aussi une raison qui assure de la rétrocompatibilité. On peut le regarder hein, rapidement. Ici, donc, je vais faire un nouveau fichier. Je vais l'appeler bon, shape.ts. Donc là, je vais faire ma classe shape.ts. Donc, comme tout à l'heure, avec un. On va se mettre en private. Bon, allez, je vais faire un truc avec les accesseurs et tout. Donc member type, donc qui va être de type string, voilà. On va avoir notre constructeur, donc qui va prendre type string, et donc this.type est égal à type. Et puis donc on va avoir la fonction draw qui elle donc on avait dit nous retourne nous lève simplement une exception. Donc on va la retrouver ici, hop, voilà. On dirait j'aurais pu l'écrire, ce serait peut-être été aussi vite. C'est mon côté feignant. Et puis, on va se créer également donc la fonction, enfin la fonction, la classe, ajouter donc fichier JavaScript, on va l'appeler rectangle TS. Voilà. Et donc là, on aurait la classe rectangle TS qui extends de shape TS avec un attribut qui serait donc de type width. Number. On aurait également donc ici un attribut 8 number. Voilà. Et enfin un constructeur. Constructeur. Et ici donc on avait dit width 8. Et puis là, ce qu'on peut faire, c'est directement intégrer les valeurs par défaut. Ça, c'est l'intérêt aussi de TypeScript. Donc on va pouvoir faire des choses comme ça. Comme on est sur un objet qui hérite d'un autre, il faut bien sûr penser à appeler la fonction super en là en donnant en paramètre donc le fait que c'est un rectangle. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Bah si this.width est égal à la paramètre width et this.height est égal au paramètre height. Et puis bien évidemment la fonction draw. Là pareil, je ne vais pas m'embêter, je vais aller dans, hop, je vais aller ici, la fonction draw, je vais la remettre là. Tac! Voilà, et donc si je mets ces, enfin c'est même pas en fait, on s'en fout de les mettre ces deux fichiers-là, ce qui va être intéressant c'est de voir voilà, comment est-ce que TypeScript génère sa classe. Donc là en fait, il génère en ECMAScript. ECMAScript 5 normalement, et là on voit qu'il fait même encore un petit peu différent de ce que moi j'ai fait. Vous voyez que donc là on retrouve le constructeur autodéclarant qui va se trouver être ici, dans lequel en fait il se recrée une fonction qui porte le même nom que la classe. Ensuite, pour définir les propriétés, plutôt que de le faire tel que je l'ai fait moi, lui il utilise la fonction DefineProperty. Alors là on rentre dans une. Troisième sujet que je voulais aborder ce soir, qui est la notion de descripteur en JavaScript. Et on va voir qu'en fait, quand on définit des propriétés, on va pouvoir en fait aller un petit peu plus loin que simplement leur affecter une valeur. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Avec DefineProperty, donc d'une part, on dit à quoi est-ce qu'on veut ajouter la propriété. Donc là, on voit lui, il l'ajoute directement à Prototype. Il ne l'ajoute pas comme un attribut comme moi je l'ai fait. Donc déjà la propriété est dans Prototype. Ensuite, on voit donc le nom de la propriété, ça va être type. On voit qu'on a directement des accesseurs qui sont créés. Donc on a la possibilité de faire un get et un set dessus. Et là, on voit des éléments supplémentaires, enumerable et configurable. Alors, énumérable, c'est en fait un attribut qu'on peut donner aux propriétés pour dire non, elles ne sont pas listables. C'est-à-dire que si je fais. Comme on avait fait là tout à l'heure, justement, rect 1, eh bien, si je dis que la propriété n'est pas énumérable, elle n'apparaîtra pas ici dans la liste des propriétés accessibles. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le côté configurable, c'est-à-dire que si je laisse configurable à true, je peux changer justement la valeur d'énumérable. Je peux changer le fait également que la fonction, que l'attribut peut être réécrit, donc writable. Par contre, si je mets ici configurable à false, je peux plus rien changer. C'est-à-dire que à partir du moment où je le mets à false, si j'avais dit qu'il pouvait pas être writable et puis qu'il peut pas être énumérable, eh bien je ne pourrais pas changer ces attributs-là par la suite. Et quoi que je fasse, à partir du moment où
l'instruction configurable, enfin l'attribut configurable est passé à faux, il ne peut plus être mis à vrai. C'est fini. Alors, sauf si bien sûr vous redémarrez votre page. Hein. Je veux dire, à partir du moment où ce code-là a été exécuté, on ne peut pas revenir en arrière sur l'instance de votre page. C'est-à-dire que si dès l'initialisation de vos propriétés, vous dites hop, on fait en sorte que ce soit plus configurable, eh bien les gens ne pourront plus toucher à la structure de votre code. Salut Zizou, bienvenue à toi. Donc ça peut être intéressant, par exemple, si vous n'avez pas envie que les gens aillent trifouiller dans, entre guillemets, dans votre code source et aillent modifier ce que fait votre programme. Alors vous me direz, s'il modifie ce que fait mon programme, on s'en fout un peu, ça va juste péter de son côté. Ouais, effectivement, mais on pourrait imaginer qu'à cause de ça, bah votre programme, il envoie peut-être des choses différentes au niveau de votre serveur. Alors si le mec a envie d'envoyer des trucs à la con à votre serveur, il vous le fera. Mais au moins, ça peut assurer quelque part la stabilité de votre programme et empêcher que les gens viennent modifier en cours de route la façon dont il s'exécute. Voilà. Alors après, bien sûr, encore une fois, il suffit de récupérer le code source, de changer ça, de mettre à faux. Mais quand vous exécutez une appli web, le code que vous exécutez, c'est le code que vous recevez du serveur, normalement, si tout se passe bien. Donc, ça va réécraser les modifications que vous avez faites, et puis du coup, ce sera transparent. Donc ça, c'est un truc qui est extrêmement intéressant. D'ailleurs, on pourrait le voir, hein, c'est-à-dire que bah, on va le faire justement, on va faire les modifs. Finalement, je vais quand même l'intégrer, donc le shape.js. Et puis le rectangle.js, non, pas ici, mais ici, voilà, on va les mettre dedans. Je vais créer ici, alors du coup, pas là, je vais le faire dans le TS tant qu'à faire. Là, on va se faire directement un let rect TS1 est égal à new rectangle TS, voilà. On va prendre les valeurs par défaut, il n'y a pas de souci. On va revenir ici, et donc là, si j'affiche rect TS, j'ai mis TS1, oh, d'accord. Vous voyez qu'en fait, alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, c'est pas tout à fait vrai en fait. Alors pourquoi? Alors dans shape, pardon. Et en fait, ce que je voulais, moi, c'était dans rectangle. Rectangle TS. Voilà. Ah oui, non, ça c'est le fichier TS. Ah oui, parce qu'on n'a pas regardé ça. Alors non, c'était déjà shape que je voulais faire. Excusez-moi, je bafouille. Je bafouille. Donc déjà, on va faire un let shape TS égal à new shape TS. Voilà. On va juste se faire ça. Et là, il n'est pas content parce que j'ai pas donné de type. Donc, je vais mettre shape. Voilà. Hop. Là, on actualise et c'est shape TS, voilà, qui m'intéresse. Alors, ce qu'on voit. Et ce qui me surprend un petit peu, par contre, c'est que là, justement, la propriété est quand même listée. Alors que normalement, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que enumerable est un false. Donc normalement, la propriété type devrait pas être visible. Alors que pourtant, on la voit bien partout. Alors pourquoi est-ce que ça nous fait ça? Je ne sais pas. Par contre, si je change normalement. Alors, ouais, tant pis. Il va pas être content, mais bon. Si je fais un writable false. Writable, voilà, et que j'actualise ici, et là il n'est pas content, pourquoi? Value, alors j'ai peut-être oublié une virgule, non, waouh, alors là du coup je sais pas, là j'avoue, si vous pouvez m'éclairer là-dessus, je sais pas pourquoi d'une part elle est énumérable et pourquoi je peux pas changer le writable, alors peut-être parce qu'il y a un set. Regarder ce qu'il me disait. Avec property descriptor cannot both specify. Bah ouais, tu peux pas à la fois spécifier un assesseur en écriture et puis dire qu'il est pas writable. Donc en gros, il faut que j'enlève le set qui est ici. Et là, normalement, je peux faire un writable de point false. Et là, du coup, ça doit me. Non, ça ne me dit rien. Alors, il faut aussi que j'enlève le get, du coup. C'est ni get ni set pour avoir le writable of false. Really? Ah ouais, ok. Et alors là, du coup, si je retourne sur le shape TS, bah ouais, d'accord. Et si je fais shape TS.type, ou alors underscore type, est égal à 50, là, ça a bien changé. Hein. Donc le writable, pas ouf, hein. Pas ouf le writable. Alors après, ce qui m'épate, c'est que c'est celle du prototype. Et là, ah ouais, du coup, vous avez vu, c'est carrément undefined. Donc là, ouais, la façon qu'a TypeScript de faire les choses est différente. Et en fait, d'accord.
Ouais, je suis en train de regarder. Donc, il crée bien quand même un attribut ici dans Type. Voilà, on fait un truc que je n'avais pas prévu de faire ce soir, c'est de décrypter un petit peu ce que génère TypeScript comme code. Donc, on voit qu'il crée bien quand même un attribut comme on fait nous. Donc, directement dans le constructeur. Donc, ça, il a bien son attribut qui est créé ici. Et en fait, la propriété Type qu'il ajoute dans les propriétés, c'est justement les assesseurs, ce qui permet de faire le get et le set, mais sur la propriété initiale. Et c'est pour ça en fait qu'il le fait dans le prototype, c'est que du coup les assesseurs, c'est des fonctions qui vont être communes entre les différentes instances de l'objet. Donc jusque-là, c'est normal. Ensuite, le enumerable a false, ça par contre, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on le voit du coup dans le prototype. Selon moi, on ne devrait pas qu'on voit cet attribut-là, ok. Mais par contre, qu'on voit type. Alors vous me direz, type, il est considéré comme undefined ici. Il a bien pris en compte les modifications, c'est pas gagné. Qu'il n'avait pas vu. Enfin, j'avais pas enregistré surtout. Donc voilà. Donc dans Proto, ouais, on continue quand même de voir type. Et alors en même temps, ça affiche shape. Donc ça sous-entendrait que ce qu'on affiche en fait dans type, pas la propriété à proprement parler, mais c'est le get à mon avis. Salut Babistu 77, bienvenue à toi. Ouais, donc là, alors on peut le faire autrement, la partie descriptor, justement, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. On peut le faire avec des fichiers un petit peu plus, enfin avec des objets plus simples. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, pas là, mais là, donc on va faire ajouter. Je vais ajouter un fichier que je vais appeler descriptor. Voilà, en JS. Et simplement, on va créer un objet, let obj, voilà. Avec la méthode bah, vraiment un objet JavaScript de base. C'est-à-dire que quand vous créez un objet, vous pouvez dire voilà, j'ai une valeur A dedans qui vaut 5 et une valeur B par exemple qui vaut 6. Donc, vous pouvez faire les choses comme ça. Et donc si je place ce fichier dans mon HTML, donc descriptor, hop, là, tout va bien, et que j'actualise et que je tape obj, et effectivement, je vais bien trouver mon objet avec A qui vaut 5 et B qui vaut 6. Mais en fait, quand vous déclarez vos attributs ici, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez mettre plus d'informations. C'est-à-dire que vous pouvez dire que la valeur que vous lui donnez, c'est un objet dont la valeur est 5. Ensuite, vous pouvez justement préciser que il n'est pas writable, donc mettre writable à false. Donc on va pouvoir faire quelque chose comme ceci. Et là en fait si j'actualise ma page et que je raffiche obj, eh bien il ne devrait pas me faire ça. Oh le cochon. Il ne veut pas faire les choses comme je veux. Pourquoi? Alors peut-être qu'il faut que je passe forcément par define property. Mais c'est bizarre, normalement on peut le faire comme ça. Pas content. Tout à l'heure en plus je l'avais fait et ça avait fonctionné. Alors qu'est-ce que j'ai donc fait qui n'est pas bien? Ok, bon, tu veux m'embêter. Alors on va faire autrement. Donc on va se faire donc notre objet. Et puis on va passer par le define property. Donc define property, normalement, on passe par object.define. Alors object, c'est la classe objet. Ce qui est l'objet, on va dire, le plus bas niveau, dont héritent tous les autres objets, quels qu'ils soient. Et simplement, define property, ben, c'est une fonction de classe. Donc, c'est une fonction qui n'a pas besoin d'une instance pour s'exécuter. C'est une fonction statique, voilà, tout simplement. Donc, define property, donc on va dire que c'est pour obj. Alors là, j'ai pas besoin de mettre ça obj ici. Ensuite, je donne le nom de la propriété. Et donc là, normalement, je peux faire value. Allez, on va mettre 42, valeur totalement choisie au hasard. On va mettre writable à false. Voilà. Et pour le moment, je vais juste m'arrêter là. Salut Tomune, bienvenue à toi. Et on va regarder ce qui se passe quand je fais ça. Alors là, on voit qu'effectivement, on a bien une propriété A42 qui a été ajoutée à notre objet obj. On voit qu'on a pu toutes les accolades qu'on avait tout à l'heure. Donc ça c'est cool. Et puis si j'essaye de modifier la valeur de A, donc si je fais obj.a est égal à 72 par exemple, bah, il me dit a priori OK, sauf que si je raffiche obj, eh bien on voit que la valeur de A n'a pas changé. Donc là j'ai réussi à créer une propriété en lecture seule. On ne peut pas modifier sa valeur. Normalement, je devrais être. Alors d'ailleurs on peut afficher l'état des propriétés. C'est-à-dire que si vous faites un object point get own property descriptor et donc que vous lui donnez obj
et que vous lui donnez la propriété A, normalement, voilà, il vous indique que la valeur c'est 42, writable c'est false, enumerable c'est false et configurable c'est false. Ah non, c'est peut-être pas dans, je dis peut-être une connerie. C'est peut-être pas dans le navigateur le enumerable. Salut Bizzo, bienvenue à toi. On va regarder ça un petit peu parce que j'avais regardé l'autre coup dans la doc vite fait. Donc je vais taper JS Descriptor Enumerable. Et dans quel cas en fait est-ce que ça passe le enumerable? On nous dit que c'est true if and only if the type of the property descriptor may be changed. Ah non, c'est configurable, pardon. If and only if this property table shows up during enumeration of the properties on the corresponding object. Donc, ça sous-entendrait quand on fait par exemple un object point keys. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Cannot convert undefined or null to object. Ah oui, mais il faut quand même que je lui donne l'objet en question de obj. Ah, effectivement. Donc là, vous voyez, quand j'ai voulu énumérer la liste des attributs de B, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a que de obj, pardon, on s'aperçoit qu'il y a que B qui ressort parce que A, il a son enumerable à false. Donc, si j'essaye de parcourir tous les attributs de l'objet obj, eh bien, je ne vais pas pouvoir accéder à A parce que son enumerable est égal à false. Si en revanche, ici, dans les propriétés que je donne, je lui dis que enumerable est égal à true, enumerable, voilà. Alors, là, normalement, si j'actualise ici, donc, bah, si je peux pouvoir faire ça. Ah, bah, perdu mon coco. J'ai enregistré au moins. Ouais, j'ai enregistré énumérable. Mais punaise, si en plus j'écris comme un pied, les gars, ça va pas le faire. Et là, effectivement, on voit bien A qui apparaît. Donc en fait, c'est vraiment quand on veut parcourir les propriétés que ça influe. Par contre, dans le navigateur, la propriété, elle reste visible, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est moi là qui ai confondu les choses. Donc ça, c'est le premier truc. Alors, comment est-ce qu'on fait, par contre, pour modifier l'état d'une propriété? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que je peux faire, par exemple, un object.define property? Voilà. Donc, sur obj, en lui disant donc, que je veux recréer une propriété A et avec comme value obj.a, donc je récupère la valeur de mon objet et je veux, par exemple, repasser writable à true. Est-ce que je peux faire un truc dans ce goût-là? Ou est-ce que c'est totalement pas possible? Donc je fais ça. Et il me dit cannot redefine property A. D'accord. Donc je ne peux pas redéfinir une propriété qui existe déjà. Pourtant, normalement, on doit être capable de changer l'état du prototype. Et je pense pas qu'on ait le droit de faire un truc du genre comme ça, point writable est égal à true. Je pense pas que ce soit accessible en lecture, en écriture, je veux dire. Ouais, non, on voit que ça n'a pas changé non plus. D'accord. Ah, par contre, configurable est égal à false. J'avais pas fait gaffe à ça. Donc, nous, on va quand même lui mettre un configurable à true. Et du coup, je vais réessayer de faire mes petites manips de tout à l'heure. Donc là, on voit qu'effectivement, configurable est égal à true. Si j'essaye de faire ça. Non, writable est toujours à false. Et si j'essaye de redéfinir la propriété avec un writable, et là ça marche. Donc en fait, vous avez vu tout à l'heure, on avait le configurable qui était à false. Donc du coup, on ne pouvait pas redéfinir la propriété A. Par contre, si configurable est égal à true, alors, et là normalement, si j'affiche le descripteur, on voit que cette fois-ci, j'ai effectivement pu modifier la valeur de writable. Donc j'ai conservé ma valeur 42. Et cette fois-ci, si je fais un obj.a est égal à 72 et que je raffiche obj, eh bien cette fois-ci, la valeur de a a changé. Donc vous avez la possibilité de verrouiller en fait les propriétés d'un objet avec define property et avec donc cette syntaxe-là avec define property. Vous avez vraiment la possibilité de dire comment est-ce que cette propriété-là est censée évoluer dans le futur, dans votre programme. Donc, est-ce qu'on va pouvoir la modifier? Donc, en fait, on s'aperçoit qu'on peut faire des attributs
en lecture seule. On est capable de le faire grâce à cette notation. On est capable de faire en sorte que des attributs ne soient pas listables comme clés d'un objet. Donc, on ne veut pas les voir apparaître, ou on ne veut pas que quand on fait un for each sur les différents attributs d'un objet, bah, que certains éléments apparaissent. Donc, on a la possibilité de les retirer des énumérables. Et puis, on voit également qu'on a la possibilité de dire, de manière par contre définitive, si ici je mets un false, voilà, là je ne pourrais absolument plus changer l'état de mon objet. C'est-à-dire que si j'essaye ici de refaire un define property en lui remettant tout simplement un configurable à true pour lui dire non, non, mais c'est bon, maintenant j'ai envie de pouvoir le modifier, bah, lui il va me dire niet. Il va dire non, la propriété A elle ne peut pas être modifiée, tu ne peux pas la redéfinir, tu ne peux pas changer son état. Tu peux éventuellement, si on met writeTable à true, le fait qu'elle ne soit pas configurable ne veut pas dire que tu ne peux pas changer sa valeur. Ici, si je... Bon, je vais être obligé de faire comme ça. Voilà. Donc, si je fais obj.a est égal à 72, comme j'ai dit tout à l'heure, et que je raffiche obj, bon, ben là, on voit que la valeur a bien changé. Donc, le fait de ne pas être configurable, ça ne veut pas dire que tu n'es pas writeable. Tu peux changer la valeur, mais par contre, quand tu n'es pas configurable, tu ne peux pas changer la manière dont tu vas gérer ta propriété. Donc, tu ne peux pas dire d'un seul coup, ben non, elle sera plus en lecture, ou alors si elle est, enfin, plus en écriture, ou alors si elle sera en écriture, pas changer son type d'énumération, etc. Voilà, donc ça, c'était un petit peu tout ce que je voulais vous montrer ce soir, en fait. Ça fait un live assez court hein, par rapport à d'habitude. On a réussi à tenir le créneau d'une heure et demie. Ça, je vous avoue, c'est ce que je voulais aussi un petit peu ce soir. Je ne voulais pas faire un live un petit peu trop long, surtout que c'est des notions qui sont pas forcément ultra fun. Mais je pensais que c'était important quand même d'aller creuser un peu dans les profondeurs du JavaScript pour voir un petit peu comment ça marche. Ah oui, et puis le point qu'on n'avait pas regardé. Alors là, c'est pareil. Je trouve que TypeScript fait des choses assez badass au niveau du mode d'extension, on va dire, de ces classes. Donc, eux, ils recréent vraiment une fonction extends qui va s'occuper de recoupler les prototypes, je suppose, entre eux. Après, voilà, je pense qu'ils l'ont fait comme ça de manière à ce que ce soit ultra, ultra portable et que... Salut Robulo, bienvenue à toi. Et que ce soit vraiment compatible avec toutes les versions de JavaScript par le passé, en tout cas jusqu'à l'ECMAScript 5. Donc ça remonte quand même encore un petit peu. Alors clairement, leur système fonctionne très bien. Moi, vraiment, je n'ai pas de souci avec les héritages générés depuis TypeScript. Le code me semble très verbeux et aurait peut-être pu être un tout petit peu simplifié. Mais à mon avis, s'ils l'ont fait comme ça, c'est que c'est fait pour que ça passe partout. Alors que peut-être que notre façon de faire ici, pour faire l'héritage avec l'attribut prototype, peut-être que c'est moins souple, ou peut-être que ça pose des problèmes à certains niveaux, mais honnêtement, là, je vois pas lesquels. Donc bon, du coup, je reste plutôt sur cette écriture-là, qui me semble beaucoup plus... Ben, vous avez vu, hein, c'est beaucoup moins verbeux, beaucoup plus short, et surtout qu'en fait, à chaque fois que vous faites un héritage avec TypeScript, eh bien, il vous redéfinit une fonction d'héritage comme ceci, alors qui, à mon avis, doivent s'écraser les unes avec les autres, parce que c'est toujours le même code. Donc, il n'y en a en fait qu'une seule qui est créée. Mais c'est vrai que les fichiers, du coup, sont assez verbeux, assez badass, finalement, peut-être pour pas grand-chose. Mais là encore, c'est surtout au niveau des assesseurs, je pense que c'est verbeux, parce que sinon, on voit que les propriétés, en fait, elles sont définies ici à peu près comme nous, hein, à peu de choses près, c'est défini comme nous. Donc, bon, voilà. Écoutez, voilà, c'était un live un petit peu plus court que d'habitude. Moi, j'espère quand même que ça vous a plu, que vous avez peut-être appris des choses, peut-être raviver certaines choses. C'est vrai que souvent dans les lives, quand on fait du TypeScript, on a des gens qui nous demandent, mais alors du coup, est-ce qu'il vaut mieux commencer par TypeScript? Est-ce qu'il vaut mieux commencer par JavaScript? Moi, je pense qu'avant d'utiliser des langages qui effectivement nous facilitent la vie, c'est pas idiot de creuser un petit peu dans le langage de base et de regarder un peu comment ça fonctionne, de regarder dans les coulisses, comment sont gérées les choses, de manière à comprendre pourquoi ensuite dans la partie, on va dire, plus haut niveau, et notamment avec TypeScript, pourquoi est-ce qu'on a des choses qui sont gérées d'une façon et pas autrement? Bon, bah voilà, là on a des explications, notamment entre ECMAScript 6, donc cette notation-là, on comprend un petit peu mieux pourquoi aussi les attributs sont gérés ici. Je vous rappelle que ce n'est que du sucre syntaxique qui est là pour masquer cette écriture-là avec le constructeur autodéclarant et tout ce qui va avec, les prototypes et tout.
Voilà, bah écoutez, moi du coup, je vais m'arrêter là pour ce soir. Pour une fois, je vais pouvoir manger à l'heure. Je découvre ton stream ce soir et c'est cool. Bah écoute, merci beaucoup Tomune. Merci pour, c'est un super compliment, ça fait plaisir. C'était bien cool de rafraîchir ses bases, on a tendance à oublier à la longue. Bah merci Mercure. Bah super, merci à vous, vous êtes super cool. En tout cas, la semaine prochaine. Oh putain, je sais pas du tout ce que je fais encore la semaine prochaine. Tiens, comme on a quand même 5 minutes, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on regarde la semaine prochaine si on devait avoir un sujet que vous voulez qu'on aborde, sachant que j'ai qu'une semaine pour le préparer, hein. Donc ce ne sera pas Angular, je vous le dis tout de suite. Donc si on va sur lesmoulinsdudev.com, je rappelle aux petits nouveaux qu'on a un site qui vous permet de voter justement pour les prochains sujets à aborder. Alors si je regarde un petit peu ce qui nous avait été proposé ces derniers temps, donc on avait la Jamstack, on avait Swift, alors Swift non, pas tout de suite, Dart, ce serait marrant aussi à regarder un de ces quatre. YAML, StencilJS, NestJS, donc voilà, la déstructuration, ça c'est vrai que depuis le temps que je crois c'est Soukato notamment qui me dit ouais, tu déstructures pas assez, il faut que tu utilises davantage ça. Après, ça me semble peut-être un petit peu short pour un live, il faudrait que je le couple à autre chose. Le principe solide, ça peut être intéressant, mais là, il faut que je fasse un truc un peu cool pour vous montrer comment ça se présente, etc. Donc le principe, les principes plutôt solides, ça c'est au niveau de l'objet, c'est justement comment est-ce qu'on fait de l'héritage notamment, et comment est-ce qu'on le fait correctement, proprement dans une structure, enfin comment est-ce qu'on fait de l'héritage, non, comment est-ce qu'on fait de l'objet de manière générale, mais ça implique aussi les relations d'héritage qui doivent bien respecter certains principes pour que les règles de l'art soient respectées. Ephraim, Godot, n'hésitez pas hein, dans le chat à me dire si vous voyez un truc qui vous tente bien, et comme ça, moi j'essaierai de regarder ça. Alors, VIM, comment vous dire? J'en parlerai de VIM. C'est tous les jeudis, ouais, Zizou, c'est tous les jeudis à partir de 17h30, voilà, toutes les semaines. J'en fais pas plus parce que c'est. J'ai pas que ça à faire. Ça me prend, soit honnête, ça prend pas mal de temps, mine de rien. Puis, comme je le dis, j'essaye de préparer les lives de manière à ce que vous soyez pas simplement en train de me regarder coder, puis en train de réfléchir. Ah merde, attends, ça bug, je comprends pas pourquoi et tout. J'essaye quand même de décanter un maximum de problèmes avant, de manière à ce qu'on puisse bah, justement discuter. Que moi, j'ai pas à me concentrer sur le code, que le code vienne tout seul. Et puis, bah, si vous avez des questions, vous me les posez, je vous y réponds. Et on n'a pas trop trop de temps mort au niveau du développement. Même si des fois, je parle et le développement n'avance plus. Mais voilà. Salut Dawn 00000 et bienvenue à toi. J'espère que c'est pas ton mot de passe. Hein. Ensuite, on a du React, du C Sharp, Rust, les Web Extensions, les Raspberry Pi. Cet accent anglais que je prends, je ne sais pas pourquoi. Preact, je crois que ça pourrait peut-être être rapide à prendre en main, je sais pas. Le WebAssembly, il faut un peu plus de temps, il faut que j'installe des trucs. Ah, je sais pas trop. Est-ce que je vais pas vous refaire encore peut-être un truc sur l'algo? Ça va dépendre. De toute façon, bon, là je vois, vous m'aidez pas, hein, vous me donnez pas d'idées hein, sur ce qu'il faut aborder, donc c'est pas grave. Je prendrai la décision tout seul comme un grand, certainement pendant le week-end. NestJS, Preago. Alors là, c'est Mercure. On est parti. Les structures de données en JS. Ouais, on pourrait aussi faire ça pour surtout qu'on pourrait regarder ce qu'il existe de base. Et surtout que JS, ces derniers temps, a apporté pas mal de choses. C'est-à-dire qu'au début, on avait bah, les tableaux. Mais maintenant, on a les maps. On a pas mal de choses qui sont faites. Vue.js, c'est déjà passé. Alors ouais, Vue.js, on a déjà fait, en fait. On a fait ça pendant cet été. Moi, j'ai découvert, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a à peu près 2 mois, 2 mois et demi, j'ai Vue.js. Je connaissais pas. Il y a des gens justement qui m'en ont parlé dans le bah dans ce dans sur ce site hein, qui ont voté pour Vue.js, qui m'ont dit ah, il faut que tu regardes, c'est vraiment trop génial et tout. Et effectivement, j'y ai goûté et j'avoue que depuis c'est difficile de ne pas l'utiliser hein, et du coup c'est moi je vois, je l'ai intégré maintenant dans le boulot, donc ça c'est ce que j'aime bien dans ces lives. Du Goland, bah ça tu voilà, tu notes sur les moulins du dev Goland, et puis j'irai checker. Par contre, vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'on a abordé une technologie dans le passé qu'on n'en reparlera pas plus tard. Si vous avez vraiment envie qu'on refasse un truc sur Vue.js, qu'on reprenne les bases, qu'on explique un petit peu comment ça se passe,
Bien évidemment, de toute façon, on va avoir des lives avec des sujets qui vont revenir, ou de toute façon, on en reparlera, enfin, on va refaire du vue.js dans un projet, et si vous avez des questions sur bah, « je comprends pas, comment est-ce que tu as lancé le truc, pourquoi tu as fait ça comme ça », le chat sera là, vous pourrez me poser vos questions, et comme je vous le dis, moi l'objectif, c'est que je sache déjà un petit peu en amont ce que je vais coder, ce que je vais préparer les choses, et donc je peux répondre beaucoup plus facilement à vos questions. Donc, il ne faut surtout pas hésiter, c'est le but. Donc, on reviendra de toute façon sur les technos. Là, typiquement, le live qu'on a fait ce soir, c'est un live que j'avais en partie déjà fait par le passé, il y a peut-être 5 mois de ça. Et voilà, et j'hésiterai pas à revenir sur des notions comme ça régulièrement, bah, simplement parce que je sais qu'il y a des nouveaux toutes les semaines. Et que du coup, bah, vous n'avez pas vu les lives précédents. Et là, ça vous permet, bah, puis je pense, ça permet aussi à tout le monde de se faire une petite révision, c'est pas forcément déconnant. Pour les nouveaux également, sachez qu'il y a la chaîne YouTube Les Moulins du Dev, sur lequel pour le moment je ne poste que les rediffusions des lives. Cherchez pas des petites vidéos, des choses comme ça. Pour le moment, j'ai pas le temps de les faire, même si j'ai plein d'idées. Donc, dans le futur, ça viendra, pas tout de suite. Mais voilà, si vous voulez revoir d'anciens lives qu'on a fait, il y en a quelques-uns, parce que sur Twitch, c'est limité à 14 jours. Donc, je les mets sur YouTube. Je l'ai commencé à le faire il n'y a pas si longtemps que ça, donc on remonte pas jusque. Mais je crois que vue.js, par contre, allons voir un petit peu le YouTube des Moulins du Dev. Bah YouTube déjà, voilà. Ouais, bon, si je le tape comme ça, il n'est pas content, tu m'étonnes. Donc, YouTube, est-ce qu'on a les Moulins du Dev quelque part? Les Moulins du Dev. Mais oui, regardez. Hey, alors là, je suis quand même super content. Je remercie tous ceux qui se sont inscrits dernièrement. On arrive à 85 abonnés sur Ah oui, Robulo, ouais, c'est puis en plus, tu as vu, le live, il va être court ce soir. Il va pas durer aussi longtemps que d'habitude. Donc, ouais, donc vous voyez, là, pour le moment, on n'a pas grand-chose. Par contre, on a effectivement le live sur vue.js avec la découverte. Et en plus, il était assez sympa. On avait créé un petit processeur virtuel avec des composants vue.js. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas à aller regarder ce live-là en rediff. Donc, ouais, ce que je disais, ce qui est cool, c'est qu'on arrive à 85 abonnés, ce qui veut dire qu'il nous manque seulement 15 abonnés pour obtenir notre URL personnalisée, c'est-à-dire ne plus avoir un YouTube channel UC, R, enfin bref, plein de lettres et de chiffres à la con, mais d'avoir un YouTube slash, alors je sais plus quoi, je crois que c'est user slash les moulins du dev, ce serait super cool. Et ça, eh ben, ah, c'est 86, merci Zizou, yes, plus de 14, alors voilà, je compte sur vous, au pire, vous en parlez autour de vous, ça les intéresse pas, c'est pas grave. Tout ce qu'on veut, c'est une URL personnalisée. Ce serait super cool. En tout cas, voilà. Donc, voilà, vous voyez, les moulins du dev, mine de rien, ça bouge petit à petit. On fait des trucs, on avance. Et puis, semaine prochaine, je retiens l'idée d'aller haut, peut-être sur les structures de données, comme je disais tout à l'heure. Donc, on avait le tableau avant, mais maintenant, on a des maps. On a pas mal de trucs qui sont arrivés avec les dernières normes JS. Ça me permettra aussi de me mettre un petit peu à jour sur ces trucs-là, parce que les maps, je m'aperçois que je les ai découverts il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a plein de petits trucs qu'on pourrait voir. Donc voilà. Bien pour la VOD sur YouTube, je follow aussi. Merci Tomulne, merci à toi. Je suis déjà abonné à ta chaîne. Ah ben voilà, mais c'est super ça, bravo, bravo. Merci à tous, franchement c'est cool. Et alors attends, pendant que je vois aussi, je vois crystallang.org. Alors qu'est-ce que c'est que ce crystallang? Crystallang.org, donc c'est The Crystal Programming Language. Ok, alors quel est l'objectif de ce langage-là? Crystal Syntax is heavily inspired by Ruby. D'accord, donc on parle du Ruby plutôt. So it's feel natural to read and easy to write. D'accord. Et donc, ok, d'accord. Oh putain, ça aussi, c'est des trucs qu'il faut que je regarde. Le Ruby, c'est pareil, ça fait longtemps que j'en entends parler. Et puis, il faut un de ces quatre que je check tout ça. Ah, c'est toujours pareil, hein. C'est difficile d'être partout à la fois. Mais bon, ok, à voir, je note. Dawn, tu nous l'as mis sur le site Les Moulins du Dev, Crystal? Qu'on en ait une trace, et puis comme ça. Ah, je vois, il y a Erlang qui a été ajouté. Ah oui, voilà, Crystal, super, nickel. Donc ça, c'est bien aussi. L'intérêt, si vous voulez, de cette espèce de gros vote, en fait, c'est comme ça, on garde la trace des éléments que vous avez envie qu'on voit. Comme je le dis souvent, on l'abordera vraisemblablement pas la semaine prochaine, parce que souvent, bah, il faut quand même un petit peu de temps pour s'initier au langage ou à la techno. Et ce que je veux vous faire, moi, c'est un live où je vous présente justement ce que j'ai découvert, mais j'ai pas envie de découvrir en direct avec vous, parce que ça veut dire que je vais me gratter la tête, comme ça. Salut Encol34! Je vais ramer à rentrer dedans, je vais prendre du temps à essayer de comprendre comment ça marche, je vais lire la doc,
je vais essayer des trucs, ça n'a pas marché et tout, ça va être super lent au niveau du live, c'est vrai qu'au niveau du rip, ça risque d'être un peu... Voilà, et donc ça va être chiant pour vous. Donc j'essaye de préparer, comme je disais, les choses en amont, pour que pour vous, bah, ce soit super fluide. Et puis après, bah, comme ça, si vous avez des questions, si vous avez des astuces aussi, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que vous, souvent, bah, vous connaissez certaines technos qu'on va aborder, et puis vous me dites, hey, bonhomme, ce que tu fais là, c'est tout pourri, il y a cette solution-là qui va vachement mieux, ça marche bien, tu devrais essayer ça, et du coup, il y a de l'échange, et c'est super cool, et j'adore ça, voilà, c'est dit. Bon, bah écoutez, en tout cas, en attendant la semaine prochaine, je vous remercie grandement pour votre présence ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon appétit. Aléo va enfin pouvoir manger à l'heure. Et puis, bah, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. De toute façon, je vous tiens au courant très rapidement sur Twitter, notamment pour vous dire quel sera le sujet du prochain live. En attendant, bonne soirée et à très bientôt. Ciao! Outro.